Ce soir? Mais on est mardi, mais tu viens jamais mardi soir. Oh non, écoute chérie, attends ton tour. Un amant au Havre et un amant à Paris. Lequel paye le loyer? Les deux. En aucun cas, je voudrais qu'ils divorcent. C'est pas parce qu'on saute dans un taxi de temps en temps qu'il faut larguer sa voiture. Ah, là, si je veux pas déposer de bilan, il me faut deux hommes au lieu d'un. Bon, je pourrais aller au-delà. Mais à partir de trois, c'est la grande surface. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire un mot. Je suis Bob. Bonjour, bonjour. Elle m'a aussi parlé de vos épouvantables ronflements. Mais je ne ronfle pas. Oh si. Comment tu le sais, Bob? Bon ben, si vous dormez sur le canapé, nous on va garder le grand lit, hein? Ah non, ah non, moi je préfère ce lit, j'y suis habitué. Il y a eu un terrible accident. Mais tout va très bien maintenant. On parlait de M. Alex qui est persuadé d'être mon mari. Ah bon? Oui, mais alors faut suivre aussi. Là, là, là. Oh, c'est un cas pathétique celui-là. Et quel accident a-t-il eu? Il était à cheval. Il a fait une mauvaise chute sur la tête. Oh mon Dieu, c'est affreux. Oh non, le cheval va bien. Il y a quelqu'un au lit avec moi. Quelqu'un au lit avec moi. Mais c'est sa bouillotte! Ce serait pas ta mère? Vous êtes la pondeuse? Chérie, l'eau minérale, va chercher l'eau minérale dans le cuisine. Allez! C'est vrai que c'est pas trop votre truc, vous les femmes! Ah bon? C'est plutôt les animaux! Ah bon? Chérie! Oui! Maman, bien sûr, mais je me demandais. Maman, je ne suis pas mécontent de vous rencontrer. Ah, là, là. Non, 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 c'est pas la pondeuse, hein. Mais, vous voyez bien qu'elle a une tête de grenouille.